Bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG Week Reborn La question numéro 17. Euh, on a, euh, en tant que rôliste, on a à faire face à des choix. Euh, des choix qui euh, sont surprenants. Autant devant euh, les autres, euh, les, les gens qui prennent des décisions un peu, qui ont l'air un peu... Euh, improviser sur le vif, mais <laughs> ça, fait partie des, ben, ça fait partie de nous, les rôlistes, l'improvisation. Mais ma question d'aujourd'hui, la question numéro 17, euh, la manœuvre la plus originale que vous avez vue, que vous ayez vue récemment ou réalisée lors d'une partie de jeu de rôle. Euh, ça peut être une décision du maître de jeu, une action d'un des joueurs, l'audace d'une équipe impromptue. Faites briller vos amis ou faites vous briller. Vous pouvez. Mais <laughs> ce que je veux, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce que la personne a fait qui nous a, a fait ouvrir la bouche Et quoi Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe? Ou, des fois, il faut oser dans une partie, oser pour faire avancer l'histoire. Il euh, y a des gens qui osent parce qu'ils sont seulement euh, sont, euh, impulsifs, mais c'est à vous de me raconter tout cela. J'aime ai, bien les petites, euh, les petites anecdotes intéressantes que vous pouvez m'apporter. Alors, euh, si euh, n'oubliez pas de me laisser votre réponse en commentaire, euh, ou bien vous si vous euh, me répondez en vidéo, n'oubliez pas le hashtag RPG Week. Vous pouvez répondre dans un blog avec le hashtag aussi RPG Week. C'est toujours agréable de vous lire et si vous vous pouvez me taguer avec euh, un commercial Alphonse Naza. N'oubliez pas de Likez la vidéo. Vous pouvez la partager. Vous pouvez l'aimer. Euh, ça fait bien avoir un peu de visibilité des gens qui m'écoutent, des gens qui répondent et qui amènent la joie. Ouais, on dirait que j'ai perdu mon mot. Euh, qui euh, partagent la joie du jeu de rôle. Alors, Wikerpéjois. Oui, à la semaine prochaine. Moi, je répondrai dans un petit bout avec le podcast, pas de nom, parce qu'on on a prévu un autre truc avant de se mettre à jour. Au revoir.